Moi, je m'appelle Draman Dambélé. Je suis musicien multi-instrumentiste et je viens du Burkina Faso. J'ai commencé par un petit tambour qu'on appelle le doundoum. Et après, j'ai joué le tama, qu'on appelle dans d'autres pays le talking drum, le tambour qui parle. Et après, je suis passé au djembé. J'ai joué aussi le djembé. Et j'ai joué un peu de balafon, mais pas beaucoup. Après, je suis passé au goni. Et mon dernier instrument, la flûte Peul, qui est devenu mon instrument d'amour. Et aussi, maintenant, je me suis mis au sanza, que j'adore. La flûte Peul, on joue avec le mélange de la voix. C'est la première particularité tout de suite qui saute aux yeux. Les Peuls, c'est des bergers, c'est des nomades. Donc, comme dans l'histoire de beaucoup de flûtes traditionnelles, tu vois, c'est un instrument de solitude et tu joues derrière les bêtes et ainsi de suite. Et cette flûte Peul aussi, elle est jouée aussi par des malinkés, flûte malinké ou flûte Peul. Donc, ça différencie en fonction de comment on le joue. C'est comme deux langues différentes sur le même instrument. Celle-là, par exemple, c'est la flûte pentatonique. Elle est accordée en ré mineur. Donc, la même flûte que je peux trouver en diatonique, elle est la ré mineur et qui est en fa majeur. Donc, pentatonique et diatonique. J'ai joué avec des groupes, des conteurs, ainsi de suite. Avec le théâtre aussi, j'ai commencé à composer pour le théâtre. Après, j'ai voulu faire ma propre vision de cette flûte. Ma vision, c'est que cette flûte, elle n'a pas de limite. Et aussi, dire qu'on peut faire ça et aussi l'amener ailleurs. La modernité qui peut s'ajouter à cette flûte. J'ai beaucoup écouté un flûtiste qui s'appelle Ian Anderson du groupe Jethro Tull qui jouait beaucoup avec la voix. C'est un des groupes. Je disais, ouais, c'est ce que je voulais faire avec ma flûte Peul. Il y a aussi Magic Malik, par exemple, qui est un flûtiste en français. Ici, qui est un jazzman. Quand je vois ce qu'il fait avec ses flûtes et tout ça, c'est Baba Galé. Baba Galé, qui est un flûtiste Peul, qui arrive à faire avec sa voix à compléter des notes qui sont pas dans sa flûte. Je suis sur mon projet solo qui est où je suis sur scène avec plusieurs instruments comme les instruments que je viens de détailler. Et aussi avec pas mal de sampleurs, de pédales d'effet, de loopers, ainsi de suite, et des boîtes à rythme comme machine, et ainsi de suite, des SPD. Donc, j'essaye de faire de la musique sur scène en loopant en direct. Et j'ai sorti un EP il y a pas très longtemps, s'appelle Popiman Africa Fair. Et donc j'envisage de sortir l'album en 2022.